réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est devenu l'image du sportif. Aujourd'hui, tu vas parler dans une discussion d'un joueur ou de quelqu'un d'autre, tu vas aller directement sur Instagram au lieu d'aller sur Internet et taper son nom. Et tout de suite, tu vas te faire une idée directement sur la personne, voir ce qu'il dégage, voir comment il s'habille, son style, avec qui il traîne, etc. Donc, je pense que c'est devenu quelque chose de très important. Et même avec des joueurs qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des réseaux, soit le club ou soit leur entourage leur a dit que c'était important de le faire. Ok, je vais en faire une deuxième la même. Après, toi, si tu as envie de changer, je veux bien là, essayer de te regarder comme ça. Ouais, plus vers mon doigt. Tu vois mon doigt. Ouais, super. Nous, avec lui, on l'aide un petit peu sur l'aspect vestimentaire. Après, il a quand même déjà sa personnalité. Il aime bien tout ce qui est dans le drip, etc. Donc, c'est quelqu'un qui sait faire des choix déjà. Donc, on essaye un peu de l'aiguiller par des choix de marque. Enfin, on essaye de travailler là-dessus ensemble, quoi. Parce qu'on a nous, on prend toujours en compte l'avis du joueur, c'est important. Franchement, je m'attendais pas à une ville comme ça. Je m'attendais pas du tout à une ville comme ça. J'étais surpris et j'ai trouvé ça super beau. Honnêtement, j'ai kiffé même la ville très un peu ancienne et tout comme ça. Je trouve que ça fait cool, ça fait un bon changement, on va dire. Et j'ai eu un super accueil. Moi, ils m'ont bien accueilli. Les gens ici sont super chaleureux, super gentils. Donc, j'étais content. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a beaucoup d'églises. Et comme je suis croyant, donc dès que j'ai un peu de temps, je vais à l'église. Et c'est que je viens un peu pour quand même la culture, pour changer un peu. Je suis fier d'être arrivé là, parce que c'est un long chemin qui n'a pas été facile. C'est pas facile pour tout le monde. J'ai eu beaucoup de moments difficiles. Un début de carrière assez tôt, assez jeune, mais qui restait un peu dans le flou après, à cause de certaines blessures. Certains choix, etc. Mais j'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus, je reste pas sur mes acquis. Et je sais que je peux faire plus que ça et je vais tout donner pour pouvoir arriver là où je veux. Ça va, t'es posé à la diète quand on est en vie. Je suis sûr que vous la désinfectez même pas. Vous la désinfectez ? Ouais. Il y a du chlore à mort tout le temps ? Tous les jours ? Oui, il y a un peu de tout. La coupe ça va, j'en ai des... C'est quoi qui te gêne? La couleur. Ah, t'aimes pas le kaki? Ah ben, la fermeture. Là pour l'instant il a enfilé un pantalon à fixe. C'est pas mal, c'est un truc qu'il a encore jamais porté. On va partir sur une veste de Balenciaga coupe oversize, tu vois. Mais il y a un travail sur les matières, c'est cool. Et avec un pull tout simple, je trouve ça tue, ça fait genre teinte sur teinte. Et ça drip, tu seras content. Ouais, okay. Et en plus je kiffe cette marque, donc vas-y, ça me dirait quand même beaucoup de machines. Ah, j'avoue, ça me fait trop mal sortir. Vas-y, on fait ça. Après c'est joli hein. Tu fais l'ensemble, c'est nice. Ouais, tu vois le blanc, mais tu vois le truc des cyclistes la façon. Ouais, c'est genre technique, méga technique, ouais. Et même il y a le scratch ici. Ouais. Et t'as la capuche et tout, ah mais je me souviens. Un des gros problèmes dans le foot, selon moi, à l'heure actuelle, c'est surtout basé sur l'argent, dans le sens où l'argent va prendre le pas sur le goût. Donc c'est-à-dire que l'argent va influencer les choix de tout le monde et on pense qu'avec l'argent on achète tout. Sauf que dans le foot actuel on voit très bien qu'on n'achète pas tout. Il y a plein de clubs qui investissent des millions sur des joueurs, etc. Mais c'est pas pour autant que ça fait gagner. Des fois un t-shirt blanc ça peut être très bien plutôt que d'acheter un t-shirt à 1 200 € avec des strass. Enfin, je tairai le nom de ça. Mais ça, je pense que c'est le plus gros problème du foot à l'heure actuelle. Le goût se perd au profit de l'argent.
C'est vrai qu'on a le cliché des footeux avec des grandes marques, et etc. Je pense que c'est vrai à l'heure actuelle, mais c'est en train de changer. Au-delà d'être footeux, on est quand même des hommes et on a une vie. Je pense que la plupart des footeux, on n'est pas les mêmes sur le terrain et en dehors. Donc c'est important de montrer la personne que tu es vraiment. Je vous dirais que je suis quelqu'un de branché. Je me donnerai pas un style particulier. Là, je lance un lichou. Il a 100 temps. Là, j'entendais ta voix.